recevait une médaille du président, mais en allant lui serrer la main, j'ai buté et je lui ai mis un pain. Dans le cou. Dans le cou? J'ai buté! Vous avez frappé le président par surprise dans le cou? Avoue que ça te plaît de me faire passer pour un con, hein? Tu devrais bosser pour la presse à scandale. Je vous emmerde. Oh, autant pour moi, sujet sensible. Tes parents ont été tués par des paparazzis. On va où, au fait? Du calme, écoutez-moi. Tu m'avais dit qu'on allait au mini-golf. Non, mais franchement, professeur, vous n'aviez quand même pas gobé un truc si gros. J'adore le mini-golf. Ouais, bon, écoutez. Il y a une base militaire secrète. Oh, pitié, pas encore une de ces conspirations d'Internet. C'est du sérieux. Ils mènent des recherches scientifiques illégales. Faites demi-tour. Des expériences sur l'homme. Faites demi-tour maintenant. Franck! Arrêtez! Franck! Toutes les fois où on a parlé après les cours, est-ce que j'avais l'air de vouloir retourner à Willamette? Tout ira bien. Faut se détendre, là. Ouais, c'est ce qu'on dit avant que les cris retentissent. Oh, c'est vous qui dites toujours que je prends des photos pourries avec mon téléphone. C'est le cas. Alors, qui de mieux qu'un photographe mondialement reconnu pour m'apprendre? C'est mon appareil. Ouais, il traînait dans votre placard. Fermé à clé. Fermé vite fait. Écoutez, ma source parle d'un défilé de sacs mortuaires. Des rumeurs d'essais sur l'homme, un site de missiles abandonné. Franck, vous n'allez quand même pas dire non. C'est non. Franck, c'est notre chance. Je vous en prie. Ok, mais je prends le volant. Quoi? Non, c'est ma voiture. Get out of the way. Get out of the way, old Dan Tucker. You're too late to come for supper. C'était mon histoire il y a deux minutes, allô? T'es ici pour voir comment un vrai journaliste d'investigation se démerde sur le terrain. Sans rien d'autre que ses notes, son appareil et ses grosses couilles, pigé! Waouh! Dezio, ta source parle d'expérimentation sur l'homme, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir des choses qui piquent les yeux. Et? Si ça arrive, tu gardes ton sang-froid. Tu prends des notes, moi je m'occupe des photos, on décroche le scoop et on fout le camp. Ok. Faut révéler l'histoire, pas se faire bouffer par elle. Compris. Perds pas l'objectif de vue, ok? Ouais. Si ça marche, je te laisse la prochaine. Allez, check. Non. Allez, quoi, vas-y. Non, je peux pas. T'es au-dessus de ça, hein? Je comprends. Le travail nous attend. Il est complètement... Ton contact t'a dit comment entrer? Oui. Il y a une carte de sécurité cachée dans une remise quelque part. Très bien. C'est parti. Franck.
Remuez-vous. Allez, vieillard. Voilà le refuge. Je vais l'inspecter. Ouvre bien l'œil. Ouais. Comptez sur moi. Je l'ai trouvé. Et maintenant ? Ça ouvre une porte pas loin. On y va. Pas si vite, fantômette. Je veux pas me faire descendre, ok ? Planque-toi! Oh merde! J'ai du café à l'intérieur. Bien, ils iront nulle part. Mais qu'est-ce que vous faites? Fuck! Oh mon dieu. Vous l'avez tué? Quoi? Non, non, il dort, c'est tout! Oh. Ok. C'est pas un camp d'entraînement des réservistes, c'est sûr. Ces types étaient en tenue de combat. Et c'était quoi, ces masques ? Je les ai vus. Écoute, tu peux te calmer un tout petit peu. Quoi qu'il se passe ici, on partira pas sans preuve. T'as ma parole. Je savais qu'un Frank West sommeillait en vous. La ferme. Attendez. Chut, j'ai entendu un truc. Oh, prenez des photos. Oh, je me demande... Non, tu crois ? C'est pas la première fois que je fais ça, tu sais. Oh merde, maintenant j'ai ça en tête. Putain, mais qu'est-ce qu'on branle encore ici ? C'est pas vrai. Franck ! Bordel, qu'est-ce qui se passe ici ? Allons le découvrir. Les caméras sont coupées. Mon contact a dû les désactiver. Dit qu'il reste encore du travail. Essayez cette porte. Je vais voir ce que je peux faire d'ici. Je suis pas sûr d'aimer ce que j'entends, là. J'ai trouvé un panneau de contrôle. Le seul moyen de sortir est d'ouvrir toutes les cellules. Quelle grosse surprise! On va les ouvrir une par une. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Si on veut. Libération de la population 7A. Merde, merde. Merde. Ah.
7B. Hé hey, tu pourrais prévenir. J'ai fait. J'assure toujours autant. Je crois que j'ai quelque chose pour vous. Jetez un œil là-dedans. Oh, ça fera l'affaire. Ok. Dernière scène. Vous êtes prêts, professeur ? Vas-y ! Ouais, super. Comme au bon vieux temps. Une seconde. Je descends. Vic, je te pardonne. C'est beaucoup mieux que le mini-golf. C'est un peu insensible, vous croyez pas? Ce ne sont que des zombies, Vic. Je sais. C'est juste que... c'était des gens normaux avant. Écoute, c'était eux ou moi. Est-ce qu'on peut poursuivre l'enquête ? Ok, ok. Je vous suis. Bingo ! C'est une sorte de laboratoire ? Prends des notes. Je vais photographier tout ça. Franck, vous attendez quoi pour photographier ça ? Allez, Franck ! Je crois que cet équipement sert à stimuler des changements dans le cerveau. Quoi, t'es étudiante en médecine en plus ? Non, j'ai juste lu beaucoup de science-fiction. Ils les ont opérés, on dirait. Il existe déjà un vaccin contre le zombisme. Alors à quoi bon ? Quoi que ce soit, c'est flippant. Vous allez bien prendre ça en photo, dites. Du Zombrex, ça supprime les effets du zombisme en cas de morsure. Ouais, mais tout le monde est immunisé contre le parasite, maintenant. Où est-ce qu'ils ont pu trouver ces zombies, bordel ? Écoute, on n'a pas besoin de toutes les réponses. Juste assez pour vendre l'histoire. Allez, on avance. Il fait trop sombre. Activez le filtre de vision nocturne. De quoi tu parles ? Oh, j'ai rajouté pas mal de nouveaux filtres sur votre appareil. Alors, arrêtez de ronchonner comme un papy et essayez. Oh, sympa.
Quelque chose d'intéressant? Ça cherche, je cherche. On dirait une salle de surveillance. Viens, allons jeter un œil. Physiquement, elle ne présente aucun symptôme. C'est un sacré progrès. Sinon, pas de changement. Pourquoi vous me faites voir ça? On n'améliore pas le traitement, on le peaufine. Ce qu'attend le client de notre part, c'est... Un projet d'une telle envergure nécessite toute une vie de recherche. Les progrès que je vous montre sont... Si vous ne pouvez pas tenir les délais, docteur, nous vous remplacerons. Mettez-la avec les autres. Ils font des expériences sur des zombies. Ils les emprisonnent. Mais pourquoi faire? Pour les observer. Ils essaient de créer quelque chose. Merde. Franck, on va arrêter ces ordures, ok? Ouais, on va découvrir ce qui se trame ici, ficher le camp et se faire payer. C'est ça qu'on va faire. C'est tout ce qu'on va faire. T'as quelque chose à me dire? Toujours. Si j'avais su, j'aurais enfilé un slip. Oh, Franck! Oh, c'est répugnant. Allez, Franck! Magnez-vous, d'accord? Merde, il faut un code pour entrer. Vous pouvez deviner le code avec votre analyseur de spectre. Laisse-moi deviner. T'as encore trafiqué mon appareil. Vous êtes un rapide. Elles me disent tout ça. J'avais jamais vu un zombie piquer une crise comme ça. Bon sang, Franck. Regardez-la. Elle souffre. Ouais. Et on va devoir traverser cette chambre pour avancer. Fermé. On pourra pas passer. Tant qu'elle sera encore ici. Oh. Il veut une grillade. Non, personne. Putain, Franck, il se passe des choses absolument atroces ici. Et vous trouvez rien de mieux que de faire des vannes? C'est pas très juste. J'ai photographié des trucs et j'ai pensé à... des trucs. Vous en avez rien à faire de ce qu'ils font subir à ces gens, n'est-ce pas? Écoute, on prend que ce pourquoi on est venu et on fiche le camp d'ici. Ok? Ok. Waouh. Grillé par Franck. Bon sang. Regardez ça. Faut que je prenne des photos. De tout ça. Elles ont toutes le même visage. Ouais. Une grande famille, tu crois? Fermez-la. Ok, fini de traînasser. Prends ces photos et décampe. Tu sais ce que c'est? Ouais.
des résultats de tests ADN. Peut-être avec un de ces filtres. Il y a quelque chose là-dedans. Essayez d'utiliser votre analyseur de spectre. Faut que je prenne des photos. La pose. C'est bon, c'en est une autre. Qu'est-ce qu'ils font, ces enfoirés? Faut que je prenne des photos. La pose, c'est pour plus tard. Ils clonent des gens pour faire des expériences sur eux dans le cadre des recherches qu'ils mènent sur les zombies. Ils les emprisonnent. Vic, cet article va nous valoir tous les prix de la planète. Alors je t'en supplie. Reste concentré juste le temps qu'on réussisse à sortir d'ici. Pas question que je parte. Je vais mettre un terme à leurs activités. Quelqu'un pleure. Vic, on a ce qu'il nous faut, on doit partir maintenant. Vic, stop! Qu'est-ce que tu fous? Bonjour, l'angoisse. Mais quelle photo! Oh, ouais, elle est vraiment extra. Ils doivent tester une sorte de version militaire du virus ici. Vic, non! Non! Marvel! Qu'est-ce que tu fous? Je t'avais pas dit! On décroche le scoop et on fout le camp! Je pouvais pas! Du calme, Vic! Je t'ai dit de garder ton sang-froid, putain, tu nous mets en danger là! Vous alliez l'abandonner! Vous. Servir d'elle! Faut qu'on se tire d'ici, est-ce que tu comprends? Pour vos photos? Stupide photo! Je suis reporter, Vic! C'est mon boulot d'informer! Et si tu ne peux pas en faire autant, si c'est trop dur pour toi de te mettre en retrait, tu ferais mieux de foutre le camp d'ici! Oh merde! Allez, go, go, go! J'avais pas 5 secondes là-dedans. Y'a peut-être un truc que je peux utiliser dans les parages.
Vieux pour ces conneries. Enfin, vieux, rien de dramatique. Et merde! Ça doit être les commandes de la porte. Il faut encore un code. Écoutez bien, tas de crétins. Il y a un truc qui fout le bordel ici, et le commandant sera pas très impressionné si on le laisse faire. Alors fermez-la, préparez-vous et nettoyez la zone. Compris ? Oui, oui, chef ! Besoin de vacances. Qu'est-ce qui se passe? Descendez-les! Descendez-les! Bel prix! Oh, ben ça, désolé!
pas à la voiture. Putain. Non! Non! Vic! 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 Oh, merde! 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 Oh merde! Oh merde, merde, merde! Frank West ? Vous allez me coffrer ? Possible. Plutôt oui, alors. Ça dépend. De ? De votre jeu en équipe. Oh, merde, ça a jamais été mon point fort. On étouffe là-dedans, vous trouvez pas ? Un peu d'air frais. Je pensais vraiment que ça marcherait. Bon, et bon, on dirait que j'ai un peu de temps libre, vous vouliez me parler ? Ah, je sais qui vous êtes. Colonel Brad Park, commandant de la ZDC. Je suis bien les actualités sur les zombies. J'en doute pas. Vous savez donc que la ZDC est mandatée pour lutter contre les zombies sur le sol américain. Ouais, en enfermant et en faisant taire ceux qui savent la vérité, je suis déjà au courant, merci. Ça recommence à Willamette. Quoi ? Une épidémie. J'ai rien vu aux infos, ça dure depuis combien de temps ? 6 semaines à présent. Vraiment ? Difficile de faire taire toute une ville aussi longtemps. Pas pour eux. Qui ça ? Le Pentagone. Oh merde. Qu'avez-vous vu là-bas ? Vous le savez très bien. Personne ne sait, Franck. Si je l'ai appris, c'est parce que quelqu'un a merdé en me filant un rapport confidentiel. Le camp d'entraînement des réservistes ? J'ai encore jamais vu qui que ce soit en poste là-bas. Les communications de la ville sont coupées dans les deux sens. Les photos satellites ne sont plus à jour depuis 4 mois. Ils veulent étouffer l'affaire. Mais le plus mystérieux dans tout ça, c'est que pendant tout ce temps-là, vous, Frank West, vous donnez un putain de cours du soir, au lieu d'avoir 2 longueurs d'avance sur moi. J'ai raccroché. Raccroché ? Oui, j'ai raccroché. Vous savez dans combien d'épidémies j'ai été impliqué, combien j'en ai couvertes et ce que j'ai eu en échange ? Hein ? Que dalle ! Pas un merci, pas de fleurs, rien qu'un carnet de contact, rempli de macabées. 2006, le prix national Headliner. Vous avez révélé la première épidémie sur le sol américain, photo à l'appui. Vous avez reçu des médailles, quelques diplômes. Oui, à titre honoraire. Ouais, mais venons-en au fait. 3 semaines plus tard, j'ai tenté de révéler au monde entier l'implication du Pentagone et de tout le gouvernement, mais on m'a démolé ! Parce que vous ne disposiez pas des preuves suffisantes. Accompagnez-moi à Willamette. On va révéler cette histoire. Et là, vous irez jusqu'au bout. Frank ? Frank, ça ne concerne pas qu'une ville, l'enjeu est bien plus grand. Non. Sans moi. Si vous levez le voile, vous décrochez le gros lot. Il y a des choses à rattraper. Mais en fait, je suis surpris que vous laissiez une amatrice vous voler cette histoire. De quoi est-ce que vous parlez ? Là, c'est bien une de vos élèves, non ? Oh ! Je crois que... Oups.
Vic. Sacrée équipe que vous avez là! Proche de Willamette. Envoyez une unité. Capturez les cibles ou tuez-les.